Nous saluons la présence de tous les frères et sœurs qui se sont réunis avec nous et la présence de nos amis visiteurs. Nous allons avoir un très bon moment ce matin avec le Seigneur. Nous allons prouver encore une fois notre reconnaissance envers le Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28e. Le chapitre de Matthieu qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire à l'unisson ce chapitre. Matthieu chapitre 28. Vous y êtes? Allons-y. Après le sabbat, à l'aube, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Son aspect était comme l'éclair. Les grands tremblements. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, je vous l'ai dit. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Bonne adoration dans le Seigneur. Merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel.
Nous sommes à la page 127 de notre livre de louanges. Nous voudrions vous voir debout pour chanter en cette circonstance spéciale. Honneur, louange, gloire, Maranatha, Alléluia. Honneur, louange, gloire, béni sois-tu, Emmanuel. Honneur, louange, gloire. Sois-tu Emmanuel, Emmanuel, il s'est offert pour me sauver. Il a pris sur lui tous mes forfaits. Emmanuel, le véritable, je veux le magnifier. Mon sauveur et mon roi, honneur, louange, Maranatha, Alléluia, honneur, louange, béni sois-tu Emmanuel. Sa gloire, il a laissé son trône béni. Emmanuel, le véritable, s'est fait péché pour moi, il est mon rédempteur. Lumière,
gloire. Oh, oh ressuscité. Je vais pas donner sous
Avec notre frère, le diacre Aubrichard. Remerciement à toi, Père, pour Jésus que tu nous as donné, qui avait accepté de mourir à la croix. Il est vivant au siècle des siècles. Lui seul lui t'a dit, ô mort, où est ton aiguillon, au tombeau, où est ta victoire? Il a déclaré qu'il tient en main les clés de la mort et du séjour des morts. Et ce matin, nous sommes vivants en Christ. Notre foi est vivante. Seigneur, c'est à travers nos chants que nous témoignons notre reconnaissance. Tu as fait de nous des héritiers de l'éternité. À toi seul, soit gloire, honneur pour les siècles des siècles. Notre espérance est qu'un jour tu viendras nous chercher. Et ce corps adamique sera changé en un corps glorieux comme tu l'es maintenant. Et nos souffrances disparaîtront. Et nos douleurs cesseront. Seigneur, ce matin nous voulons
te bénir, nous voulons te louer. Nous voulons t'offrir un culte qui te soit agréable. Nos sujets de témoignage sont entonnés à travers des hymnes de reconnaissance. Ce matin, ô Père, dès recevoir ce moment de louange, nous te demandons de nous donner la force de marcher de victoire en victoire, de surmonter le péché et le mal. Fais que nos yeux puissent se tourner directement vers toi et non sur ce monde qui miroite des fantaisies, des superflus, tant de choses qui ne contribuent pas à notre édification. Seigneur, aide-nous à suivre ta parole dans la fidélité, car la promesse qui est faite est vouée à ceux-là qui ont gardé la foi et qui ont persévéré jusqu'à la fin. Seigneur, fais que chaque jour, nous puissions avoir la soif de nous approcher de toi, car près de toi, c'est la vie. Près de toi, c'est la sécurité que le monde ne peut offrir. Dieu Tout-Puissant, tourne tes regards vers ceux-là qui soupirent après un rétablissement physique et qui voulaient se joindre à nous pour faire monter leur sentiment de remerciement. Seigneur, nous avons reçu tant de béatitudes de toi et nous n'arrivons pas à les chiffrer. Et même le monde ne pourra contenir toutes les grâces, toutes les bénédictions dont nous avions bénéficié. Nous t'en prions, Père, daigne répandre ta paix sur nous et que chaque jour nous puissions témoigner ta grandeur et que nos lèvres ne cesseront jamais de te louer. Nous t'en supplions au nom du Père qui nous a donné Jésus-Christ, au nom de Jésus qui n'a pas regardé comme une poire arrachée de venir souffrir sur la terre, et par le Saint-Esprit qui est le puissant consolateur. À lui seul soit gloire, honneur pour les siècles des siècles. Amen. Parallèle. Nous voudrions vous rappeler les dernières dispositions de l'Église concernant les enfants. Si un enfant a moins de 12 ans, nous vous prions de demander à votre enfant d'aller dans le jardin pour nous, s'il vous plaît, de libérer les places pour les adultes, parce que le culte est adapté aux adultes. Et les enfants qui prennent les places ne comprennent même pas ce qui se passe à l'intérieur. Si votre enfant a moins de 12 ans, vous pourrez le faire prendre place au jardin. Nous sommes à la page 158 de notre livre de louanges. Longtemps moins t'hérité dans l'orgueil, bah, j'en prie, Seigneur, t'es crucifié. Bah, j'en prie, c'est pour moi sans couler. Sous quoi?
La loi même de l'époque a empêché que cela soit caché. Car selon l'édit de César, il était écrit textuellement, « Il est mon plaisir que les tombeaux restent inviolés. Et celui qui outrepassera cet ordre sera passible de peine capitale. » Et personne n'a été décapité en ce sens. Cela veut dire que l'ordre de César a été respecté. Il n'est pas resté dans le tombeau. Mais vous savez, il existe encore de ces gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile. S'ils avaient une pénitence à faire pour mériter le salut, ils l'auraient fait. Mais la foi, pour eux, c'est trop simple. Aussi, nous vous invitons à ouvrir une fois de plus vos recueils à la page 111, nous allons entonner « Tu étais toi ». Tu étais toi, créature égarée, errant dans le péché, vivant comme insensé. Tu es toi, toi condamné à vivre une vie de sacrifice à cause de tes péchés. Tu étais toi, toi toujours incrédule à l'appel des disciples te demandant de croire en Jésus. Dieu était lui, souriant de pitié, de voir sa créature se détourner de lui. Tu étais toi, toujours dur et rebelle, sourde à l'appel du maître qui ne veut que ton bonheur. Étais toi, orgueilleux et précoce, reposé sur ta force pour avoir une paix infinie.
j'ai toi, croyant en ce bon Dieu, te conduisant chaque jour à la mort éternelle. Dieu était lui, toujours dans sa bonté, sollicitant de ton cœur un simple mea culpa. Mais tu étais toi, toi un cœur sans patrie, qui au prix de son âme allait être livré à Satan. C'est alors Dieu, dans sa bonté infinie, a envoyé son seul Fils pour racheter l'humanité. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Il était venu pour racheter l'humanité, pour le salut de quiconque croit, riche ou pauvre, blanc ou noir, comme on dit, parce qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Il nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Passagers pour l'enfer que nous étions, nous sommes aujourd'hui des passagers de l'éternité. Et l'éternité bienheureuse. Merci Seigneur. Et vous savez quoi? La dernière chose que nous avons apprise et qui a fait encore plus de bien à notre cœur, c'est que nous ne pouvons pas passer l'éternité parce que l'éternité est éternelle. Amen. Nous serons simplement avec lui pour l'éternité. Amen. Oh, merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Merci. Mahalaleel. Bien-aimés dans le Seigneur, amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Mahalaleel. Et nous invitons ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Et c'est toute l'assemblée qui va les accueillir ce matin. Chers amis, nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce matin pour la célébration de la résurrection de notre Sauveur. Si vous appartenez déjà à une église, nous vous invitons à persévérer dans votre foi. Si ce n'est pas encore le cas, nous pouvons vous assurer que votre place est désormais réservée à la Mahalaleel et que vous pouvez revenir
dès que vous en sentirez le besoin. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Et parallèlement, les monitrices d'Herma reçoivent les enfants. Tous les mardis, de 5h30 à 7h30, le pasteur Kelly Louis-Saint reçoit les bien-aimés qui le désirent. Et tous les mercredis, nous avons notre deuxième culte, baptisé Intimité, présidé par le pasteur Jean-Mathieu Chérinet, de 5h à 7h. Tous les vendredis, nous avons notre réunion de prière spéciale pour l'Église, les paramètres et les membres. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute à 6h30 par une réunion de prière présidée par le pasteur André Guste, qui se termine à 8h30. De 9h à midi, Astim offre un encadrement socio-spirituel à nos enfants. Et de 10h à 1h, Astimex construit nos adolescents. La grande chorale de Mahalaleel tient ses séances de répétition de 3h à 5h. AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se rencontre de 4h30 à 6h30. Et El Shama, le groupe d'hommes de l'église, se réunit de 5h à 7h. La SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalaleel, se rencontre de 5h à 7h. Et les papillons en prière visitent les bien-aimés qui le désirent tous les mardis et tous les jeudis. Et les demandes de prière sont prises en compte tous les dimanches après le culte. Nos versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent aujourd'hui dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous êtes invités à faire le déplacement.
pour bon offrant pour la prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te remercions de nous avoir permis de contribuer à l'avancement de ton œuvre sur la terre. Nous te prions de bénir les mains qui ont contribué et de bénir les cœurs qui n'ont pas pu contribuer. Permets-leur, Seigneur, de participer la prochaine fois. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre lecture alternative se trouve aujourd'hui dans le livre de Luc. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 53. Luc, chapitre 24, verset 13 à 53. Vous y êtes? Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os.
comment vous voyez que j'ai? Comment? Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Il en prit et il mangea devant eux. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Je vous souhaite bon dimanche, joyeuse Pâques. Et je vous laisse avec le gérant responsable pour les annonces spéciales. Georges et moi avons une annonce spéciale à vous communiquer. Les hommes d'abord. Moi, je dirais les femmes d'abord, même devant la mort. Hein? Mahalaliel. Mahalaliel. Alors, je suis honoré ce matin d'être le porte-parole, pas du maître, mais le porte-parole de Amafranchi. Pour vous annoncer une grande nouvelle. Amafranchi prépare son premier album. Merci. Donc je vois que vous réagissez positivement, je vais continuer. On aura besoin, un, de vos prières. C'est l'essentiel. Deux, on aura besoin de vos soutiens financiers. Ah, là, l'amen devient timide. Ah, amen. Bon. Alors, pour réaliser l'album, toute une série d'activités seront organisées. Alors, déjà, on va commencer par un concert de levée de fonds. Avec, bien entendu, beaucoup d'artistes. Déjà, vous avez une idée. Mahainezi sera de la partie. Donc, dimanche prochain, je reviendrai pour vous donner des détails concernant ce concert. Déjà, je vous dis que le concert aura lieu le 22 avril à 6 heures ici à Mahalaleya. Comme je vous ai dit, on va revenir dimanche, mais dimanche après dimanche, pour vous donner toutes les informations concernant ce concert de levée de fonds. Je ne sais pas si Marie-Paul a quelque chose à ajouter. Georges conclut toujours tout, il dit toujours tout. Il n'oublie jamais rien, donc il n'y a plus rien à ajouter. Sauf que nous attendons avec impatience. Nous n'avons que rien à ajouter, ça c'est bien. Je vous salue donc dans le nom de Jésus. Allez chez vous.
Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Bande de méchants. J'avais promis de ne pas jouer. Ne me faites pas faire ça. Nous sommes très heureux ce matin d'être en la présence du ressuscité. Celui qui bénit éternellement. Il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Mais il nous a bénis aussi sur la terre. C'est pour ça que nous sommes ce que nous sommes ce matin dans ce pays difficile. La vie est difficile en Haïti, pas vrai? Tout est difficile en Haïti. Mais nous pouvons dire Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secours. Il est Dieu. Il est notre Dieu. Nous n'aurons jamais d'autre Dieu que lui. Vivant au siècle des siècles, il est roi des rois, seigneur des seigneurs, puissant sauveur, lion de la tribu de Juda. Il règne sur nos cœurs, il règne sur nos vies, il règne sur le monde, malgré les apparences. Le monde est dans sa main. Il fait ce qu'il veut. C'est bon d'être en ce lieu ce matin pour le louer, pour le magnifier et pour le bénir. Celui qui est Seigneur au-dessus de tous les seigneurs et qui domine sur toutes les dominations. Il est Dieu. Merci Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre précieux Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je voudrais saluer aussi les téléspectateurs de la TNH qui sont avec nous, les techniciens qui ont fait le déplacement pour emmener le culte beaucoup plus loin ce matin. Nous saluons aussi le 92.9, Succès FM. Et nous vous demandons de rester accrochés ce matin parce que nous allons faire un bon voyage avec le Seigneur. Il mène toujours à bon port. Et ce matin, je voudrais vous demander de vous rendre au numéro 54 des Champs d'Espérance, à la croix où mourut mon Sauveur. Et si vous êtes quelque part et que ce Sauveur n'est pas encore votre Sauveur, il n'est pas trop tard, car il pardonne encore et il justifie. À la croix où mourut mon Sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. Là, son sang purifia mon cœur. Si vos cœurs sont purifiés, mettez-vous debout et chantez avec moi de tout votre cœur. À la croix où mourut mon Sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire.
Seul toute la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la puissance au siècle des siècles. Nous allons avoir le privilège d'écouter un morceau spécial de Maharmonie. Maharmonie sous la belle direction de notre sœur Naomi Beaujour. Puissance.
De mieux en mieux pour la plus grande gloire de Dieu. Il règne au siècle des siècles. Si vous avez pris naissance un jour du mois d'avril, veuillez donc venir recevoir votre bénédiction ce matin. Les fêtants du mois d'avril, s'il vous plaît, venez recevoir votre bénédiction. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête encore. Qu'on prend le temps de rêver, de bien vivre, de s'aimer. Un anniversaire, ça se fête, un anniversaire, ça se fête avec les mêmes bien-aimés. Un anniversaire, ça se fête, un anniversaire. Ça se fête, c'est le seul jour de l'année. C'est le seul jour de l'année qu'on prend le temps de chanter, qu'on prend le temps de rêver, de bien vivre et de s'aimer. Un anniversaire, ça se fête, un anniversaire, ça se fête entre amis. Un anniversaire, ça se fête entre amis, ça se fête en famille. Et nous sommes ici une famille. Non seulement la famille de l'Église locale, une fraction de cette plus grande famille qui est l'Église universelle. Et nous remercions le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous accorde. Nous allons nous mettre debout pour unir nos voix avec notre sœur Agathe Fabien qui va bénir ce bouquet d'anniversaire ce matin.